tricot avec l'étagère. Coucou les copains. Coucou. Bonjour. Et les copines. Bonjour. Excusez-moi. Bonjour. Monsieur, vous allez non, bien? Vous ne pouvez pas. Oh, j'espère que vous allez bien. Eh. Ça commence directement des violences faites aux femmes. Exactement. Mais on a récupéré du coup ce qu'on avait besoin, à savoir ici les dossiers du fisc pour savoir qui ne paye pas ses impôts. Parce que du coup on va aller les voir et on va leur dire tu participes à la vie collective locale. Mais du coup voilà, alors Manhattan c'est le bordel, criminalité partout, c'est le shit tiers des villes où habiter. Quand je t'ai vu. Dans le shit tier, bon, shittiest tier, c'est Gotham. C'est pas moi. Ensuite, il y a Paris. Parce que je Gotham, il y a tout ce qu'il faut pas, tu vois. Il y a une élite de riches qui a tous les pouvoirs. Il y a la criminalité qui explose à tous les niveaux. La justice, la police est impuissante. C'est des mecs en costume qui font leur propre justice. Et en plus, ils sont corrompus. Il y en a la moitié qui sont corrompus. Et en plus, t'as un mec en chauve-souris qui te casse la gueule la nuit. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. C'est dangereux. Des fois, tu traverses la route, tu te fais balayer par la Batmobile. Tu es balayé. Tu dis non, je vais passer par les airs, hop. Le Batcopter. Le Batcopter. Tu dis non par les eaux, hop. Le Batboat. Putain, j'aime tellement faire ça. Bon, finalement, je vais aller au cirque, hop, Robin. Alors, faut que t'appuies sur R3 pour savoir qui peut être un danger ou pas. Tu vois, sans aucun danger, ça veut dire que tu peux. Tu peux le niquer sans aucun danger. Donc là, triangle, par exemple, tu lui fonces dessus. Voilà. Là, ce que tu fais, c'est que tu vas viser. Non, non, non. Tu retournes en l'air et t'appuies sur L2, R2 quand tu peux. Voilà. Ok, d'accord. Là, pareil, tu peux te mettre juste en dessous et appuyer plutôt sur carré quand tu seras rouge. Regarde. Ok. Alors là, tu peux pas, il faudrait que tu ailles sur la barre. Mais tu peux voir, tu peux appuyer sur triangle, c'est très bien aussi. Bon, oui, triangle. Ça les tue en un seul coup, j'ai l'impression. Ça n'est pas une impression, c'est effectivement le cas. Tu peux appuyer sur 3, voilà, t'as compris comment ça fonctionne. Mais moi, je te conseillerais plutôt de rester sur des barrières, parce que là, tu es sur les murs et tout. L'araignée. En plus haut. C'est un être voilà. Singulier. Voilà. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non. Je dois rester discret. Bien sûr que si. Bah non, c'est un cochon. R3, oublie pas R3, pour là tu risques de te faire niquer. Attention. T'es en mode infiltration. Mais comment se fait-il que R3 machin? Et pourquoi je peux pas juste tous aller leur péter la gueule? Parce qu'ils ont une otage. T'as pas suivi? Ah si. Mais je pensais appuie pas que... sur R3. Voilà. Maintenant tu prends tes fluides. Quoi? Prends tes fluides là. Tu choisis la Ah ok. Alors c'est ça. Là, celle-là. Non, voilà. L'autre. Ok, celle-là. Tu vises par terre avec L2. Et t'appuies sur R1. Ok. Vérifie si c'est en danger. Tu ne sais pas. Bon, écoute, fonce dessus, je suppose. Il a pas vu venir celle-là. Ah, t'as échoué. Oh non, mais non. Fuck you. Ah bah tu peux leur casser la gueule du coup. Ah bah tu peux leur casser la gueule. Ah, je peux leur péter la gueule juste. Ok. Okay. Go, amuse-toi bien. Bah non. Ah bah non. C'est juste ça avait pas chargé. Oh non mais ça fait chier. Bah tu veux que je le fasse? Oui, parce que c'est de la merde. C'est nul l'infiltration. Non, alors, on a dit, on n'est pas critique. Ah. C'est pas mal foutu. Il y a 2-3 trucs qui vont pas, effectivement. Ça correspond pas au style de jeu que je voudrais. Voilà, c'est tout. C'est surtout que t'as pas pris le temps de voir comment ça fonctionne. C'est pas que j'ai pas pris le temps, c'est que je veux pas le voir. Mec, toi t'as déjà fait le jeu, mais... Bah, moi j'ai pas eu de problème la première fois que je l'ai fait donc. Sous prétexte que tu joues tout seul et dans des conditions optimales, tu veux dire? Exactement. Du coup, c'est pas le jeu qu'il faut que tu râles. On n'a pas les conditions pour bien apprendre des trucs comme ça sur des phases de gameplay comme ça, monsieur. Oui, bah justement. Alors râle pas sur le jeu et râle pas tout court même. Là, tu vois, on voit qu'il y a le danger. On m'enlèvera pas de l'idée. Là, il n'y a pas de danger. Que, c'est pas le truc auquel j'aurais le plus pensé en faisant un. Et voilà. Le Spider-Man, même s'il fait de l'infiltration, donc ça va. L'araignée, c'est silencieux, j'accepte. Après, bon, moi, je reste quand même sur mon avis que si tu veux faire de l'infiltration, tu portes pas un costume rouge et bleu. Oui. Oui. Rouge néon, en plus. Allez, voilà. C'est bon, je l'ai eu. Ou un bon rouge néon, tu sais. Ou alors avec mais des couleurs tu fais et tout. Pour les scotcher comme ça. Je t'ai dit carré. Mais t'écoutes pas. Si, j'écoute.
Bah non, sinon t'en pourrais pas poser la question. Mais la moitié du temps, tu m'as dit une cible qui devient rouge, elle devenait pas rouge ma cible. Est-ce que je t'ai parlé de cible? Tu t'as dit l'objectif qui devient rouge. Regarde. Rouge. L'objectif est devenu rouge. Oui, bah moi ça marchait pas et en plus ça fait danger. Eh ben il faut pas faire danger. Quand c'est en danger, ça veut dire qu'il y en a un qui traîne dans le coin. Lui par exemple, est-ce qu'il est, il est en danger lui? On le voit pas parce que je suis sur la poutre. Donc pour J'ai la poutre. Ne relâche pas, Peter. Est-ce qu'il peut faire une toile? Là, aucun danger. Je le déglingue. C'est pas compliqué, faut juste intégrer 2-3 trucs. Là, tu vois, ils sont deux. Hop. Il est tout seul. Tranquillement. On attend qu'il soit sans danger. Bon, il se trouve que lui, il est en danger. Tout reprogrammé. Un monde sans danger. Non, là, je peux... Il y a des moments où j'accepte que les gardes soient cons. Il y a des choses que j'accepte. Il y a... Dans un jeu vidéo, il y a des choses que je conçois. Là, sans danger. Hop là, c'est bon. Faut jouer avec les règles, c'est tout, hein. Et là, du coup, normalement, il est toujours sans danger. Exactement. Et là, on peut lui déglinguer la figure comme as. Voilà. Ok. C'est pas hyper... Alors, c'est pas hyper... C'est pas le truc le plus stimulant du monde. Non. Mais c'est toujours plus stimulant que la même chose sur PS1. Parce que là, c'était vraiment pénible. C'était pénible. Là, c'est juste qu'il faut assimiler quelques règles pour que ça se passe comme il faut. Cache-toi. Non, il va poster son colis. Ne faites pas ça. Non, pas la feuille d'impôt. Des otages, les gars. C'est une PME. Ne faites pas ça. Ok, donc... Là, maintenant, c'est du combat, donc c'est pour ça que je t'ai rendu la manette. C'est des fantômes. J'ai acheté trop tard. Attention. T'as vu, ils se tirent entre eux, non? Oui, c'est marrant ça. Ils se font mal. Enfin, j'ai affronté des spectres. Mais bon, techniquement, c'est pas des fantômes. Tous les fantômes sont des spectres, mais tous les spectres sont pas des fantômes. Tu vois, il dit une blague. Oui, c'est marrant. Oh non, mais arrêtez-vous, mais... Fais attention. Mais attaque quand? Je t'ai dit, des fois, il y a des petits pics de difficulté, donc attention. Pense à te soigner. Ok. Là, tu vois, tu l'as bien esquivé comme il fallait. Ok. Voilà. Alors, il doit en rester un dans le coin, quelque part, qui se cache. Voilà. Tu vois, il t'attaque avec ses fists. Wink, wink. Les deux petits coups de talon derrière la nuque, là, c'est chaotique mauvais. Alors, comment est-ce qu'on bat un ennemi avec... La projection. C'est bien. Alors, fais attention, parce que des fois, il fait des attaques comme as. Ah ouais, donc là c'est Avatar le dernier maître de l'air. C'est juste un ennemi. Alors tu peux rappuyer sur 4, voilà. Comme ça tu peux le déglinguer après. Alors ils en ont tous un maintenant, donc fais attention. Spider-Man. Allez vas-y, je sais que tu peux le faire. Oui t'as ça aussi, exactement. Tu peux faire des toiles de projection, donc tu peux appuyer sur R1 pour changer ta toile et puis les scotcher si okay. Tu veux. Tu peux le faire en plein combat. Tu l'as scotché. Tu peux même les scotcher au sol s'ils sont à terre. T'évites de tous les soigne-toi. Ça marche. Voilà. Tu les as tous battus. Ok. Tu vas enclencher la suite. C'est bon. Bravo. Et qui sont ces hommes? Mais qui sont? Ce sont des spectres, mais pourtant ils ne sont pas fantomatiques. Ce ne sont pas des addictions ambulants. Parce qu'addiction a une nouille fantomatique. Il a une teub fantomatique. C'est-à-dire qu'elle existe sur un plan, mais pas tous. Ah! Elle est présente. C'est en fait, c'est une excuse pour cacher son micro-pénis. Tu te rends compte que les gens regardent en famille? Oh, ça va! T'as raconté des trucs bien pires. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, mais je crois que c'est toi qui tiens le record avec cette sombre histoire de parasite. De parasite? Qu'est-ce que j'ai dit? Ah bah tu me feras pas répéter ce que t'as dit. On jouait à Donkey Kong. Oui. On parlait de parasites horribles. Oui. Et t'as parlé de quelque chose dans les rivières. Le parasite qui remonte là. Oui, celui-là. T'as vu, il a fait hey ça va. Et c'est parce qu'en fait ils essaient de se remettre ensemble et tout. Et du coup bah elle dit ah non on s'est quitté. Il est un peu lourd. Il est un peu lourd dingue ce gros con là. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça, oh. Monsieur Pierre Parker, voyons. Vous avez de drôles d'espoir. Pierre Parker.
Mais c'est son nom, non? Oui, oui, c'était comme ça qu'on l'appelait à l'époque. C'est comme Wolverine, quand il arrivait, on l'appelait Glouton, tu vois. Ah bon? Ou Serval. Non, c'était Serval. C'était le Serval. Moi, j'aime bien Serval, c'est marrant. Serval. Serval, c'est stylé. Pierre Parker, c'est... C'est bizarre, Pierre Parker, quand même. Italien. Aucune idée. Mais il y a des... Quand le prénom est populaire dans ton pays, ça sonne toujours bizarre. C'est vrai. C'est comme, tu vois, le... Bah, à l'époque, ils ont tout le temps connu que Serval. Et puis, au tout début, dans les années 60, c'était Pierre Parker. Est-ce qu'il y a un super-héros qui s'appelle Florian? Non. Parce qu'il y en a un qui s'appelle Quentin. C'est vrai, c'est qui? C'est Mysterio. C'est la promotion assurée. Sinon... va chercher. T'en penses quoi? Une aline extraordinaire. Et toi, à ton avis? Je vais tomber sur des... Ouais, c'est bien ce que je pensais. Fashion Police, Florian et son maillot Batman, super. Rien à foutre. Mais ça aurait pu être pire, on aurait pu tomber sur des shitty friends faits par des communautés. Florian le Hérisson. Florian le Hérisson, ça existe. Oui, mais je sais. Un coup de fil à Harry et... Ouais, même. Les recherches du docteur Octavius. Ils sont toujours potes avec Harry Osborn? C'est exactement ce que je veux faire. C'est ce que je dois faire. Ils sont toujours copains, mais il est plus là, il a disparu. Je te raconterai en off si tu veux. Parce que je vais pas spoiler les gens quand même. Beaucoup de choses. Moi, je sais ce que j'ai parce que j'ai fini le jeu en fait. Pourquoi tu m'as fait venir ici? Marie-Jeanne? Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter? Peter! 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 Pierre Parker! C'est ce qu'on est pour toi? Pierre Parker et Marie-Jeanne. Pourquoi pas, si c'est vraiment ce que... Moi, je les aime bien, je les trouve sympathiques. On a un sacré Après l'O'Neill et Spider-Man. Et Raffaello. Et Raffaello. Est-ce que c'est vraiment... C'est un bon... C'est vrai. Oui, c'est juste Raffaello. Il y a trucs bien, comme... Bah, il y a Leonardo, donc Raffaello. Des clés et du bon... Ah, Michelangelo. Et Donatello. Tu dis pas Donat? Donatelle. Donatelle. Léonard. Et Michel-Ange. Du coup, Michel-Angèle. Michel-Angèle. Viens, on va manger une moult pizza. Donc du coup, c'est Raffaello. Regarde. Et voir un petit easter egg, un running gag. Ok. Enfin, un running gag. Un cliché clin d'œil de tout le temps, de tout... Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Ah, il est là. Il est présent. Le harceleur sexuel, il est là. Ça fait plaisir. Sexuel. Oui, il a été arrêté dernièrement pour harcèlement sexuel sur ses femmes de chambre. C'est notre DSK. C'est notre petit DSK. Exactement. Enfin non, c'est leur DSK plutôt. C'est leur DSK à eux. Oui, parce que nous on a notre DSK à nous. C'est DSK. Hé, hey, c'est moi. Je viens de voir. Ouais, on est niveau 6. Youpi. Augmentation de la santé. Et un point de compétence. Du coup, augmenter tes points de compétence. Alors on va l'utiliser tout de suite. Bah, comme ça, tu oublieras pas. C'est ça. Tu peux voir les nouvelles tenues si tu veux. Je l'aurais ramené sur Innovateur. Tu conseilles quoi? Bah, en défenseur, ça pourrait être bien. Ça te permettra de ralentir le temps quand. Donc, on a le Witch Time de Bayonetta maintenant? Ouais, quand on fait une esquive parfaite. Vu qu'on maîtrise un peu l'art de l'esquive. Exactement. Donc, on a débloqué le Witch Time et tu verras, c'est stylé. Ça sera stylé surtout quand après on pourra foutre des patates qui tuent en un coup après une esquive parfaite. Ça sera bien. Des patates qui tuent en un coup? Oui. C'est fort. Oui, c'est genre que contre ceux qui tirent de loin, donc du coup ça amoindrit le problème des snipers et de ceux qui sont à distance. Des snipers. Parce que du coup tu fais une esquive parfaite, hop t'appuies sur triangle et tu les niques en un coup. Eh bah c'est pas mal. Attention, Pierre Parker, je crois qu'il y a des méchants. Du coup auto en français c'est quoi? C'est juste auto. Oui je pense. Automobile Octavius. Pas de soucis, Doc. Tu peux te repérer par rapport à... Il l'appelait... Professeur Octopus, il l'appelait Octo, je crois, en français. Beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. C'est Octavius. Otto Octavius. Tu vas le payer si tu lui fais du mal, Octo. C'est vrai. Sacré Otto Octavius. Il était très stylé, d'ailleurs, en 1967. Je vais te montrer... Avec sa petite coupe au bol des familles. Sa petite coupe au bol et ses tentacules qui lui arrivent... qui lui sortent des côtes. 1967. Qu'il est beau. Oh, qu'il est beau. Il est tellement dégueulasse. Mais même celui des années 90, il est pas ouf, hein, en vrai. Celui des années 90, j'ai l'impression que c'est une version musclée de celui des années 67. C'est une version musclée de celui des années 67. Je crois qu'il est moche. Je crois qu'il est moche. Tu me diras, celui de la version Ultimate Spider-Man, il est pas mieux. Tu as regardé Ultimate Spider-Man? Oui. Oui, j'ai regardé Ultimate Spider-Man. C'est sympathique. C'est sympa. Mais encore une fois, moi, c'est comme avec Homecoming, j'ai un petit peu du mal avec
Spider-Man laqué des Avengers, tu vois. Oui. Je trouve ça dommage. Je trouve pas ça nul. Je trouve ça dommage parce que bah, je préfère le Spider-Man indépendant, tu vois. Puis même les personnages des Avengers, tu vois, c'est pas pour faire le hipster ou quoi que ce soit de merdique comme ça. Salut Herman. Mais ça me gonfle un peu, moi, les Avengers partout. Il y a d'autres super-héros. T'as vu qui c'est? C'est Herman. C'est le Shocker. Sacré Herman. Du coup, peut-être qu'on aura peut-être pas dû le lancer, mais bon, bon tu finiras, finiras l'épisode quand t'auras fini. Ça durera peut-être 20 minutes. Qu'est-ce que je dois juste le suivre, ça déclenche un truc ou Tu dois te rapprocher de lui. Le plus proche possible. Donc, après, si tu veux, on peut finir vite et je le fais. Bah, tu vas le faire, ça te dérange pas, on finit l'épisode. Tu feras. Hop. Voilà. Et bah, nous, on vous dit à demain pour Herman. Herman. Bisous, Toutou. Bisous, Tomo. We are in the love.